je suis absolument convaincue que c'est rentré dans l'athlétisme français. Pour la ville, c'est indéniable. Au niveau national, je dirais même aussi au niveau international. Je crois que le meeting de Reims est vraiment reconnu comme une grande étape de l'athlétisme. Ça montre effectivement tout le savoir-faire qu'il y a dans cette ville, à la fois effectivement par l'intermédiaire de nos clubs, par l'intermédiaire aussi des services de la ville qui savent effectivement monter et orchestrer des événements de niveau international. C'est ma dernière course avant les France que j'avais envie de faire, puisque c'était à Reims. Donc il y a à peu près beaucoup de monde de ma famille qui est venu. Et c'est vrai que c'est ma ville natale, donc voilà, je voulais terminer sur ce meeting-là avant d'aller au championnat de France. Petite émotion justement de gagner une course ici dans sa ville natale ou c'est trop loin ? Ah non, c'est pas trop loin, j'ai toute ma famille qui habite ici, donc non, je connais très très bien comme ville et comme région. Voilà, oui, je suis très contente parce que c'est vrai que je voulais faire bien devant eux, devant ma mamie qui voilà vient pas me voir souvent courir. Donc voilà, j'avais à cœur de faire bien. Après, c'est vrai que si le chrono avait pu être au rendez-vous, ça aurait été parfait. Mais bon, je pense que voilà, ils vont être contents. Moi, je suis contente et je pense que j'ai bien couru. Donc, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Unas palabras sobre tu fidelidad a Reims, justamente que hace varias veces que vienes a Reims. Sí. Si puedes decir algunas palabras sobre eso. Contento y que sigan haciendo un buen trabajo, que los quiero mucho. J'ai pris du plaisir. Ça fait plaisir de gagner devant son public, dans sa ville. Et voilà, mon but c'était de gagner et d'essayer de faire une bonne performance. Et 4,56, ça reste une bonne performance. Malgré les conditions, il y avait un peu de vent, voilà. J'ai tort si je dis que le meeting de soir, et tous les ans, il illustre assez bien l'esprit LFSA, c'est-à-dire gros en termes de niveau, oui. Et familial. Ouais, ah ben, de toute façon, notre fonctionnement, c'est obligatoirement sur la relation entre les individus. C'est ça l'intérêt d'une pratique sportive. On vient se faire plaisir et se faire du bien physiquement, mais on se fait du bien aussi psychologiquement par le lien social, hein, c'est évident. La ville a mis en place le tramway. Le tramway permet aux gens de venir rapidement au stade, on l'a vu ce soir, les gens sont venus en tram. Mais pour venir faire du sport, les gens viennent en tram maintenant. C'est quand même une modification d'habitude, il faut s'adapter à tout ça, il faut comprendre tout ça et dire aux gens, ben, venez, c'est facile. Invest in Reims.